Le ministère public, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, réuni en audience foraine, poursuit le prévenu Yasu Yambele Trésor pour le meurtre de Yasu Yambele Identité, son fils. Les faits remontent au mois d'avril 2021. Selon le ministère public, le prévenu aurait commis un meurtre sur son propre fils, Yasu Yambele Identité. Le ministère public soutient que le prévenu se serait débarrassé de la dépouille de son fils dans le fleuve. À l'audience du jour, le tribunal pose quelques questions au prévenu pour sa version des faits. Celui-ci rejette en bloc toutes les accusations portées contre lui et soutient qu'il y a une grande distance qui sépare son domicile du fleuve. Il soutient que la mère de la victime aurait monté ce dossier pour faire diversion sur ses mésaventures. Celle-ci soutient que le prévenu serait lui-même passé aux aveux. La mère de la victime se constitue partie civile sur le banc. Ses avocats sollicitent du tribunal de dire l'infraction de meurtre mise à charge du prévenu Yasu Yambele Trésor établie et le condamner à la plus forte peine et au paiement de 100 000 dollars américains pour les préjudices causés. Les préjudices de fait pour notre client qui a pris le sein prénatal seul, qui ne s'est pas soutenu pour élever son enfant, pensant qu'un jour l'enfant devrait l'aider à l'avenir, mais qui a été arraché par méchanceté, par mauvaise foi, par les prévenus qui est par devant les tribunaux de Sénégal. Mais à peu, moi j'ai intérêt à la participer des montagnes, et voilà enfin comment les 5 000 ça nous a arrangé. Mais si lorsque le tribunal va se retirer pour prendre la cause à l'Union, il va tout simplement établir en fait comme endroit. L'infraction retenue à charge du prévenu constatera qu'il y a une partie civile qui s'est légalement constituée par devant le tribunal de CFA en conséquence le frais sur les bancs. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de dire établi l'infraction de meurtre mise à charge du prévenu et le condamner à la peine capitale et aux dommages et intérêts sollicités par la partie civile. La peine capitale à son égard.
condamnerait enfin, M. le Président. Les frais d'instance. Tarif est plein, M. le Président. Les avocats de la partie prévenue Yasu Yambele Trésor affirment qu'il y a contradiction entre le ministère public et la partie civile concernant la date. Ils demandent au tribunal de dire non établi l'infraction de meurtre mise à charge de leur client et l'en acquitter. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.